Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les cieux unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Disposons notre cœur à accueillir la grâce et le pardon de Dieu tout en nous reconnaissant pécheurs et demandant pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu le puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Monsieur et Madame Jean-Louis Auxéan, Edson Pierre, Marie-Laude Francillon, Marie-Lise et Jean-Thomas Medina, nous prions pour Immacula Philippe, pour Sarafina Renard, pour Célestin Roland Jutta, pour Denis Gisland, Marie-Sacha, Valentin et famille. Nous prions pour les Spinasses, Aurélie, Aïcha, Lovely, François, Peterson, Richard, Serge, Vély, Saint-Hilaire. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi. Commencement de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Colossiens. Moi, Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, avec Timothée, notre frère, je m'adresse à vous, frère, dans le Christ qui est à Colosse, membre fidèle du peuple saint. Que Dieu, notre Père, vous donne la grâce et la paix. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Et progresse dans le monde entier, elle le fait de même chez vous. Depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la connaissance de la grâce de Dieu dans toute sa vérité par l'enseignement d'Épaphras, lui, notre compagnon bien-aimé, qui nous représente fidèlement comme ministre du Christ. Il nous a écrit là. Parole du Seigneur. Et maintenant, méditons dans le psaume 51. Après chaque soir, nous chanterons. J'espère en ta miséricorde. Éternellement, j'espère en ta miséricorde. Thank you.
Chapitre 4, c'est 38 à 44. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant: c'est toi le Fils de Dieu. Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit: aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs, acclamant la parole de Dieu. Aux autres villes aussi, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Aux autres villes
Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que je suis venu, et c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le chapitre 4 de l'évangile de Saint-Luc nous raconte le début du ministère de la vie publique de Jésus. Et comme nous lisions dimanche dernier, où Jésus est tombé sur ce passage de l'Écriture qui disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter la liberté aux captifs, la libération, et proclamer une année bienfaite que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, l'Évangile, toujours dans cette continuité, nous raconte les œuvres, les actions ou les miracles de Jésus. Et nous comprenons bien que l'Église est missionnaire. L'Église est missionnaire ou elle n'est rien. La mission est la nature même de l'Église. Autrement dit, sans la mission, l'Église n'est rien, ou encore sans des missionnaires. Et l'Église a reçu cette mission de la part de Jésus lui-même, qui a été envoyé lui-même par son Père, lorsqu'il a dit de toutes les nations, allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Ou encore, un Saint-Luc sur la bouche de Jésus qui envoie des disciples, ses disciples en mission. En disant, il les envoie en mission deux par deux dans les bourgs, les villages et les villes, en mission devant Jésus, là où lui-même devait aller. Là où Jésus lui-même devait aller. Luc chapitre 10, verset 1. Pour vous dire, mes soeurs, mes frères, la mission de l'Église n'est pas la mission d'une personne, n'est pas la mission du pape, des évêques ou du prêtre, mais c'est la mission même de Jésus. Et aussi, c'est la mission de tous les baptisés, parce que c'est nous-mêmes que bon Dieu, que Jésus dévoue. En mission, oui, c'est une mission pâle, mais les confier mission ça, les confier chose ça à des ministres ordonnés, et nous-mêmes aussi qui fait partie, eh bien, de
sacerdoce baptismal là, eh bien, nous recevrons sa mission, ça aussi. N'en façons pas nous pour nous capables d'annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ. Quitte nous marier, quitte nous séparer, eh bien, nous tous, quitte nous séparer, nous tous, eh bien, nous prions. Après la logique mission hein, et nous tous nous pas mais qui fait nous pas mis mais nous tous nous sommes missionnaires dans Jésus-Christ. Nous avons une mission pour nous annoncer bonne nouvelle, salut. Et Jésus lui-même lui montre nous, c'est pour ça qu'il est venu. Et maintenant, nous voyons comment on lit à l'œuvre la fête. Travail que papa te voyait fait. Et nous poursuivons aujourd'hui avec le chapitre 4 de l'Évangile selon Saint-Luc qui nous parle de ce ministère, du ministère de la vie publique de Jésus. Si hier c'était l'exorciste, Jésus se mettait dans la peau d'un exorciste qui chassait des démons, qui chassait un mauvais esprit. Sur une personne, et aujourd'hui, eh bien, il se met dans la peau d'un guérisseur. C'est pas parce que Jésus, son thaumaturge, qui est venu tout simplement pour faire des miracles, comme il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes, eh bien, qui t'a fait ça à l'époque, mais Jésus aussi, avec autorité et pouvoir que bon Dieu va dire, eh bien, il était capable de faire ça aussi. Et il était fait ça, en plus le monde était content. Il te joint une guérison, il te joint une libération, comme il te dit déjà, mais c'est pour nous, c'est pour délivrance, nous, de venir. C'est ça le mot salut, et bien pour nous capables de délivrer. Et comme ici, royaume, il vient annoncer royaume, ça, il y a un royaume de paix, il y a un royaume de justice, il y a un royaume de délivrance. Et c'est ça Jésus, le même, l'hypothé pour nous. Et à travers Jésus, nous voyons comme tout bon juif qui t'a prié, qui t'a connu prier, bon Dieu, mais qui t'a connu faire miracle, qui t'a connu agir en tant que bon Dieu, parce que lui, c'est bon Dieu. Et après, il fait une prière, tu as gagné une belle-mère, Simon, qui était malade, qui était en gros la fièvre sur lui. Et là, il a fait appel à Jésus parce qu'il connaît qu'il était capable. Et à l'instant même, il menaçait fièvre ça. Et il était belle-mère Simon a déjà une guérison. Et là, nous-mêmes, nous chacun et nous tous, nous avons cherché une guérison. Nous avons cherché une délivrance.
Parce que Jésus venit, d'un coup lui dit, c'est pas pour le monde qui est bien portant, c'est pas pour le monde qui est en forme, mais c'est pour le monde qui est malade, c'est pour le monde qui a besoin de docteur. Et nous chacun et nous toutes, nous devons gagner une attitude ça pour nous mettre nous. D'un coup, il y a un papa, d'un coup, il y a un petit qui attend toute bagaille de mon Dieu. Qui espérait toujours la providence, mon Dieu. Et chaque fois nous mettons comme ça, tant que Simon captant toute bagaille de maman avec papa, tant que petit captant toute bagaille de mon Dieu, de papa, eh bien, mon Dieu est toujours prêt pour nous. Et c'est ça, nous y est vraiment, parce que nous malades, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous attendons la grâce dans le mon Dieu, parce que nous toujours attendons une délivrance, parce que nous toujours attendons une libération bon côté mon Dieu. Et chaque fois nous mettons nos conditions, ça, nous faisons tout petit, nous faisons humble, c'est le ça vraiment nous capables d'accueillir la grâce mon Dieu. Le ça, il te mène tout malade. Avec toute infirmité, Bali, et même lui était posé mal sur yo, yo tout, y a besoin de guérison. Nous tous qui malades, nous tous qui gagnons handicap quelconque, qui espérait, qui comptait, eh bien, ce bon Dieu, nous invite pour nous faire bon Dieu confiance. Dans le monde, ça y est, qui était intercédé, bon côté Jésus, pour belle-mère Simon, eh bien, il était jeune guérison. Nous-mêmes qui avons une possibilité, qui connaît bon Dieu, mais c'est pour nous la prière, bon Dieu, avec confiance. C'est pour nous faire, bon Dieu, confiance. C'est pour nous agir la foi, nous, dans bon Dieu, pour nous capables de joindre guérison, pour nous capables de joindre libération, avec toute forme entrave, eh bien, nous gagnons la vie, nous, et surtout, le péché, eh bien, lui-même qui quimbe nous, qui empêche nous, pour nous capables de rencontrer avec bon Dieu. Saint-Luc dit non. Après, il était fini faire toute guérison, ça y est. Eh bien, il était venu jour. Eh bien, il était venu kembe Jésus parce qu'il était bon pour lui. Il était à chercher Jésus parce que Saint-Luc dit non. Eh bien, Jésus était allé dans un désert, dans un endroit qui reculait. Et qui ça, pour lui faire, il est parti, il est passé dans le monde pour être capable de soigner. Pour être capable de rencontrer nous-mêmes tout, nous faisons pour nous gagner attitude ça de monde cap chercher bon Dieu. Pas chercher bon Dieu parce que bon Dieu, parce que Jésus a fait miracle pour nous, mais c'est pour nous chercher bon Dieu. Tout simplement parce que nous connaissons sans Jésus, sans bon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et c'est le même qui dit nous ça. C'est seulement les bons, nos bons côtés, nous sentir, nous combler, nous sentir, nous pleins. Tant qu'on sait qui t'a cherché Jésus, nous, chaque, nous qui l'a, nous inviter pour nous capables de chercher Jésus et les nous joindre pour nous continuer à chercher toujours. Et comme mon yo, pas de vle Jésus parti, et tant qu'on t'a dit, dans l'évangile, côté sur le chemin Emmaüs, je t'ai dit, reste avec nous, Seigneur. Reste con noi, Signore, perché si facera. Reste avec nous, Seigneur, parce que il s'est fait tard. Il s'est fait tard. C'est pas parce qu'il t'est fait tard, vraiment, mais c'est parce que il t'a besoin Jésus. Il t'a voulu Jésus habiter dans le cœur. Il t'a voulu Jésus habiter bon côté. Il t'a voulu Jésus habiter dans la vie. Non? Nous-mêmes tout. C'est comme ça, nous y est bon côté bon Dieu. Nous besoin Jésus habiter dans le pays, nous, dans le quartier, nous, dans la communauté que nous vivons parce que nous ne pas vivre en paix, nous avons insécurité, nous avons toute qualité de problème. Oui, nous besoin Jésus. Et côté Jésus, nous pas besoin de rien. Et bien, nous jouons toute bagaille. Depuis Jésus là, nous jouons toute bagaille. Et comme il dit, côté deux ou trois mondes réunis, depuis c'est dans nous, les là, nous mettons nous. Et depuis les là, nous connaissons toute bagaille à faire bien. Et comme il y a besoin qu'un bé Jésus, Jésus lui dit, oh, non, je ne peux pas rester seulement avec vous. Je dois
va aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les autres villes, à tous les autres villages, parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pour cela, qui besoin de des paroles, bon Dieu, parce que Juif, tu es toujours metté dans la tête, yo, c'est pour yo, Messie, le Machia, le roi, le Christos. C'est pour yo. Eh bien, bon Dieu, tu promets lui. Ça veut dire, l'autre monde n'a pas accès à lui-même. Mais Jésus vient craser la barrière, ça, autrefois, puisque si ou pas de juif, ou t'es païen. Et nous toutes, et nous chaque, nous t'y entrer dans la catégorie ça, parce que nous pas juifs. Parce que selon la conception époque, là, eh bien, Jésus n'est pas venu pour nous. Mais Jésus vient craser la barrière, ça, pour lui montrer que les pas venu pour une catégorie de monde, pour un petit groupe privilégié, mais c'est pour tout le monde venu. Et surtout, si là, yo, qui besoin lui. Et comme à un certain moment, le peuple juif là, pas disponible, ou bien pas capable d'accueillir bon Dieu, autrement dit, eh bien, il n'y a pas accepter Jésus pour s'allier. Eh bien, nous-mêmes, nous avons plus besoin de Jésus dans ce sens-là, parce que et c'est pour nous-mêmes, même, qui besoin, bon Dieu, qui t'attendent, ou du moins ce qui est loin, bon Dieu, ça nous relève les païens, yo, qui besoin d'entendre des paroles, bon Dieu. C'est nous-mêmes qui malades, qui besoin de guérison. C'est nous-mêmes qui entravés, qui vivent dans le péché, qui besoin, bon Dieu, qui besoin de délivrance. Et c'est vrai, si un monde pas malade, il n'a pas besoin de guérison. Si un monde pas vivre dans le péché, il n'a pas besoin de pardon, mon Dieu. Il n'a pas besoin de la grâce, mon Dieu. Jésus dit, oui, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut qu'il aille pour annoncer la bonne nouvelle. Et comme on dit, mission ça, qui c'est mission l'Église, non? Qui c'est mission Jésus-Christ, qui c'est mission tout baptisé, tout apôtre, Saint-Jacques, le même. Le patron des pèlerins qui t'a évangélisé Espagne, eh bien, nous tous nous appelons pour nous capables de porter bonne nouvelle là, by pauvre. Si là qui plus besoin, pauvre pas dans le sens matériel, mais si là yo, qui pas coûté parole bon Dieu, qui pas tendé parler de bon Dieu, ça au moins sont capables de brûler païen yo, qui voulait dire paganos, si là qui loin bon Dieu yo. Jésus, mandez-nous pour nous capables de faire confiance parce qu'il est capable d'intervenir dans la vie. Nous. Même si il est intervenu dans la vie, belle-mère Simon, nous prenons la prière par l'intercession de notre bon Saint-Patron, Saint-Jacques, eh bien, pour que bon Dieu soit capable d'intervenir dans la vie, nous-mêmes comme peuple, dans la vie, peuple haïtien, nos conditions, nous vivons. Qui est humaine pour nous capables de vivre comme monde et comme petit bon Dieu. Amen. Passons à la quête. Grand-mère, c'est parti, travaille, yo, c'est la nouvelle, yo, oui.
les dons prélevés pour toi sur ta propre largesse, que ce mystère très saint, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise au choix de l'Éternel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Pas de grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir la réaction des grâces jours et en ton lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est les conditions divines, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. En un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Alfred Stecker, Ghislaine Grand Stecker, Jovenel Moïse, Janine François, Marie, Naomi, Manika, Matsila, Limage, Andrea Fleurimont, Marie-Denise Fleurimont, Fritz, Manika, Claudette, Manika, Marie-Marthe Fleurimont, Albert Fleurimont, Athanase Brun, Ariane Langlois et la famille, les membres de la famille Langlois. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton Fils. Dans ton royaume, souviens-toi de nous. Tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur Rita, Élisée et ses enfants, sur Casa Major, Stella, Irma, Samuel, Élisée, James, Jean, Johanna, Brun et Adler, garçon. Nous prions pour et avec Madame Jean-Louis Oxéan et son Pierre pour son déblocage. Marie-Laude, Francillon et ses enfants. Gélin, Immacula, Philippe, Sarafina, Menard, Célestin, Roland, Justa, Delouis, Guiseland, Marie-Sacha, Valentin et famille. Madame Marie-Lise Medina, ingénieur Jean-Thomas Medina, Lespinasse Aurélie Aïcha, Lovely François Peterson Richard, Serge Lely Saint-Hilaire. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges dans Saint-Jacques. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, osons-nous dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, à notre communauté, à notre cœur. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Messieurs, mes frères, de la charité du Christ, échangeons-nous un geste de paix. Celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Dieu seul est bon, Dieu seul est bon.
louons encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Frère Maximio, bonsoir. Frère Maximio, bonsoir. Bonsoir. Qui j'en ai eu? Avec Jésus, là, Kimbe. Bien, ou bien plus ou moins bien, parce que nous connaissons avec situation payant, nous pas fin qu'à dire nos bien-être, mais comme nous sommes monde qui ont espérance dans mon Dieu, nous sommes monde qui a la prière. Nous compter sur providence divine, nous compter sur miséricorde, bon Dieu. Je dis, nous voulons dire chacun de tout merci pour, parce que nous venons la prier dans le pied Saint-Patron, Saint-Jacques, dans nos clergés. Nous disons merci en pile, tout le monde qui sorti bien loin, le monde qui vient pour la première fois et nous tous qui s'est habitués dans la paroisse-là. Nous disons merci pour présence nous parce que nous venons la prière dans pied Saint Patron nous. Et comme nous connaissons ces jours jeunes, jours qui sont consacrés à Saint Jacques pour nous la prière, probablement nous l'a depuis 6 heures et nous avons été plusieurs moments aussi pour nous la prière dans la méditation chapelet à travers supplique à Saint Michel Archange et ses premiers. Mercredi, dans le mois de septembre, nous avons eu plusieurs messes, mais nous ne connaissons pas si l'autre paix qui est disponible à présent. Entre-temps, nous remercions Radio Télé Petite Maman Marie qui est avec nous, qui a pété l'autre monde qui n'est pas présent, vive célébration la messe là et peut-être l'autre activité. Nous remercions Madame Gerti aussi, et bien les mêmes taux qui fait même geste là, qui permet que l'autre monde qui est loin, yo, et bien vive la messe là ensemble avec nous. Nous disons merci encore une fois, nous souhaitons passer une bonne journée de prière et surtout une bonne méditation. Maintenant, disposons-nous pour recevoir la bénédiction finale de la messe. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Oui, m'a servi bon Dieu. Faut que moi fasse ça lui plaît. Les bagages ça moi. Thank you.